qui dit progrès dit nouvelle équipe commerciale. Et pour la diriger, son brillant parcours parle de lui-même. Florence. Ils t'ont annoncé ça comme ça? Ben, rupture conventionnelle, indemnité. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Qui embauche qui à 59 ans? Personne. Mathilde, je vais monter une boîte. Hein? Ma boîte. Une crèche? Oui! Ah ben, un business de garde d'enfants. Il te faudra impérativement un responsable logistique. Avec qui? Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Tu veux un verre d'eau, connard? Apparemment, ça va mieux, ton traitement. Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est faire du celebrity marketing. Ah, Jean-Pierre Savary. Oui, merci, merci. Voilà, vous seriez en quelque sorte l'image de la société. Pourquoi? Il veut faire de la pub pour ta boîte. Parce qu'il est resté proche des gens. Tu sais, il est simple, hein, il est comme nous. Hein. Il n'y a pas de bouteille d'eau, là, parce qu'on d'habitude, il y a toujours des bouteilles d'eau. C'est pas mal. Puis c'est vrai que l'idée de l'appli, c'est porteur. Et on a la chance d'avoir une grosse célébrité marketing. Qui? Non, mais la célébrité. Jérôme, ça veut dire que tu pourrais nous suivre? Je croyais que t'en avais terminé avec ces guignols, moi. C'est pas fait. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? C'est un cadeau qui te fait, en Véro, fait. Véro, peut-être une façon de le dire. Mal plan de merde! Patriarcat de merde! Tu tombes, tu te relèves. Une fois de plus que tu tombes. Allez, ouais. Santé! Je voulais vous dire que, quoi qu'il se passe, je suis fier de nous. Excuse-moi, Jérôme est de notre côté. Ah, pardon.